frères et mes sœurs, paix et joie, sympathisants du renouveau charismatique, paix et joie à tous les fidèles. Tout a bien commencé et tout s'est bien achevé. Alors, nous sommes à la basilique Notre-Dame de la Paix. Nous venons de vivre un grand temps, ce grand temps de la Pentecôte, ce grand temps vécu en direct avec le Saint-Esprit. Alors, nous avons été vraiment très heureux par rapport à l'événement. Parce que dans le contenu, avec ce temps de louange, ce temps de prière, ce temps d'évangélisation et ce temps d'intercession, je pense que le Seigneur s'est manifesté. Et il y a aussi eu beaucoup de paroles de connaissance. Et ce qui nous a beaucoup plu, c'est qu'on avait une bonne sonorisation. Le son était audible. L'éclairage aussi a été bien fait. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Mais ce qu'il faut retenir pour cette Pentecôte, c'est que nous avons reçu particulièrement une grâce à chacun. Il faudrait qu'on mette cela en pratique. Un chrétien baptisé, confirmé, qui est timoré, doit maintenant être un chrétien debout. Un chrétien qui prend conscience de ce renouvellement, de cette grâce qu'il a reçue comme au jour de la Pentecôte. Parce qu'on avait beaucoup peur. Beaucoup de chrétiens ont peur. Beaucoup de fidèles ont peur. Peur même de proclamer la parole de Dieu. Alors lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, on n'a plus peur. Comme les actes des apôtres le disent. Les apôtres avaient peur. Ils sont fermés dans le cénacle. Mais lorsque ce grand vent est venu, mais voilà, ils ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et voilà que ils sont envoyés par l'Esprit Saint, partis dans tous les coins et recoins pour proclamer la bonne nouvelle. Alors toi, mon frère qui m'écoute, tu as été baptisé, tu as été confirmé, tu as vécu la Pentecôte ici à Yamsouro. Avant de venir, tu l'as vécu dans ta paroisse, tu es venu. Et voilà que c'était l'apothéose. On a prié encore pour que l'Esprit Saint soit ravivé dans ton cœur, dans ta vie. Et en ce moment-là, tu deviens témoin du Christ parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Alors quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit poser des actes concrets. Si je n'étais pas engagé avant, il faut que je m'engage maintenant dans ma paroisse. Il faut que je m'engage dans ma communauté chrétienne, dans la CB. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faudrait pas seulement venir au grand rassemblement, recevoir une grâce du Saint-Esprit et puis aller se coucher à la maison. On doit être témoin dans notre société, dans le service, partout où nous sommes, on doit être témoin de la parole de Dieu. On doit sentir que le Saint-Esprit est là. Et je voulais dire vraiment merci au Seigneur. Merci à la Vierge Marie qui a intercédé. Parce qu'on avait une inquiétude aussi, c'était le temps. Parce que c'est la saison des pluies. Mais Seigneur, s'il pleut, on fait comment? Après, bon, on dit, bon, dans la foi, Seigneur, tout appartient. Qu'il advienne ce que tu veux. Et voilà que le temps était clément. Et nous avons béni le nom du Seigneur, donc glorifions le nom du Seigneur. Et il faut aussi signaler la présence remarquable des nombreux prêtres et des religieuses. Et religieux qui étaient là pour nous soutenir. Des frères de communauté nouvelle aussi qui ont participé avec nous. C'est ça la famille, c'est ça carré, c'est ça le marché ensemble. Non seulement en laïque, mais avec le clair et le laïque. On a vu le premier enseignement du Père Norbert Abécan, tu nous as parlé effectivement, tu as reçu le Saint-Esprit, et les prêtres ont reçu le Saint-Esprit, mais il faut qu'on marche ensemble pour bâtir une église sainte, une église forte. Mais c'est à travers le Saint-Esprit. Parce que nous sommes souvent timorés, mais je pense qu'aujourd'hui, le chrétien catholique doit se lever, doit être debout, doit marcher, doit bousculer dans tout ce qu'il fait dans la vie aujourd'hui. Alors, c'est simplement merci, merci au Seigneur, et dit que la paix et la joie demeurent dans notre pays, parce qu'on a mis le pays au cœur de notre assemblée ce soir, cette nuit-là. Priez pour le pays, pour que le cœur soit touché, pour ne pas qu'on revive encore ce qu'on a vécu, qui est vraiment difficile, gravé dans nos esprits, dans nos cœurs. Donc nous demandons au Seigneur de nous aider par chacun d'entre nous dans la société pour pouvoir poser les bons actes, pour vivre dans la vérité, dans la justice, dans la paix, dans l'amour, dans la communion et surtout dans la réconciliation. Alors je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Seigneur, merci aussi au Père Recteur et le Père Latin. Malgré qu'il ait perdu son papa, qu'il a fait enterrement le même week-end, il était avec nous jusqu'au petit matin. Donc on rend grâce à Dieu pour tous ces pères qui étaient là, surtout pour les prédicateurs, le Père Abécan, le Père Bienvenu Gaïa. Je crois que ça nous a porté. Parce que la parole de Dieu est toujours perpétuelle et elle renouvelle chaque jour. Donc laissons-nous transformer par la grâce du Saint-Esprit, mais laissons aussi l'Esprit Saint entrer en nous. Parce que souvent dans le cœur bloqué, il faut ouvrir le cœur. Il a dit, je t'appellerai à votre porte, si tu m'entends, tu ouvres, je rentrerai, je dînerai avec toi. Mais souvent dans le cœur endurci, le cœur en pierre. Mais Jésus est là, il nous parle, mais on est comme des sourds.
Alors que Dieu nous a créés à son image et sa ressemblance. C'est-à-dire qu'on a une intelligence, on a des yeux, on a la bouche, on a les oreilles, on entend. On peut parler à Dieu, on peut entendre ce que Dieu nous dit. Vraiment, que Dieu accompagne tous les pèlerins et que la flamme reste toujours allumée pour qu'on se retrouve en 2024 où on va célébrer encore les 50 années de renouveau en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est le jubilé d'or. Donc on rend grâce à Dieu, qu'on reste en intercession afin que la gloire de Dieu soit toujours manifestée par l'intercession de la Vierge Marie, notre Dame de la paix. Paix de Dieu.